C'est bon ? Aujourd'hui, on va parler photo et surtout réglage. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, il y a deux formats principaux en photo, le JPEG et le RAW. Si vous avez un appareil photo numérique et que vous êtes déjà un peu promené dans les menus, vous avez vu que vous avez plusieurs formats à choisir. Alors, le RAW, le JPEG, ou tout simplement un qui combine les deux, le RAW plus le JPEG. Avant de parler en détail du format RAW, on va parler du format JPEG, qui est le format de base, qui normalement est configuré comme ça sur tous les appareils photo. Quand par exemple vous prenez une photo avec des réglages définis dans votre appareil, par exemple des réglages sur la balance des blancs, sur la couleur, sur l'exposition, sur la saturation, des paramètres que vous avez dans l'appareil qui vont s'écrire sur la photo, et cette photo va tout simplement s'enregistrer sur la carte SD. Le traitement de l'image du coup se fait directement dans l'appareil et la photo est utilisable tout de suite sur un téléphone, sur internet, partout, vous pouvez le partager. C'est du coup hyper pratique pour une utilisation instantanée et banale des photos. Mais le problème, c'est que si vous voulez passer ces photos dans des logiciels de modification de couleurs, de retouches photo, vu que le traitement se fait déjà dans l'appareil et qu'il y a déjà des paramètres enregistrés sur la photo, quand vous allez leur passer dans un programme de traitement, ça va faire un double traitement et du coup vous allez perdre en qualité. Voilà pourquoi le format JPEG est appelé un format destructif. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant les professionnels utilisent le format RAW et pourquoi il est beaucoup plus avantageux. RAW est un format de photo mais veut aussi dire brut en anglais. Il faut savoir que dépendant les différentes marques de constructeurs d'appareils photo comme Sony, Nikon ou Canon, c'est pas les mêmes formats. Par exemple chez Canon c'est CR2, chez Sony c'est ARW, donc ça varie mais c'est le même concept. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour le JPEG, les photos sont pré-traitées dans l'appareil photo. Le format RAW, il n'y a aucun traitement dans l'appareil photo, donc il doit automatiquement passer à travers un programme sur votre ordinateur pour être traité et en sortir une photo finale. Du coup les programmes les plus connus pour ce type de traitement sont Lightroom et Photoshop, mais il y a plein d'autres programmes qui peuvent faire le même travail. Je sais que c'est un peu flou, mais en fait, le format RAW n'est pas une photo. C'est des informations enregistrées dans la caméra et sur la carte SD, mais qui n'est pas pré-traité. Du coup, c'est juste des informations. C'est pour ça qu'il faut absolument passer par un traitement pour en sortir une photo finie et utilisable. Du coup, la vraie utilité de ce format, c'est que toutes les informations sont enregistrées sur la caméra, mais elles ne sont pas traitées. C'est pour ça que vous devez passer à travers un programme sur votre ordinateur pour traiter les informations, et les possibilités sont énormes parce que vous ne perdez pas en qualité et vous pouvez modifier tous les paramètres des photos, que ce soit l'exposition, les ombres, la couleur, la saturation. Vous pouvez vraiment, vraiment modifier tout sans perdre de qualité. Forcément, la contrepartie de ce format, c'est que la taille des fichiers est beaucoup, beaucoup plus grande que le JPEG, en général 4 ou 5 fois, et du coup, c'est pas toujours pratique en termes de place, que ce soit sur un ordinateur, et ça prend pas mal de temps quand même à traiter et à exporter la photo finale. C'est pour ça que ce format n'est pas destiné à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, les mêmes intérêts pour une photo. Et voilà, pour conclure un petit peu avec mon avis personnel, moi j'utilise principalement du format RAW, parce que j'aime fondamentalement retoucher les photos, et après ça dépend vraiment de votre utilisation. Je sais que c'est un peu compliqué si vous commencez un peu dans la photo, à bien choisir son format, à bien savoir quoi faire. Et si vous mettez des bons paramètres qui vous plaisent dans votre caméra directement, les photos JPEG peuvent être très très bien aussi. Au final, tout dépend vraiment de votre besoin en termes de photos. Chaque format a ses avantages et ses inconvénients. Pour que vous puissiez comparer vous-même et voir les potentiels du format RAW, je vous mets dans la description un lien pour télécharger deux photos en JPEG et deux photos en RAW. N'hésitez pas, si vous voulez retoucher les photos RAW, à les poster sous le post de cette vidéo sur Facebook, en regardant un petit peu ensemble ce que ça donne en termes de retouches. Et également les partager sur Instagram avec le hashtag WarTechRAW. Et n'hésitez pas vraiment à tester les programmes comme Photoshop et Lightroom pour ces photos RAW. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Anil, allez ciao tout le monde.